We can do it. What is a girl who has been delivered in Zarokula? Elle aime bien manger la chair de l'homme, les cuisses. She likes eating. Ton témoignage. Your testimony. Mets-toi là. On en profite pour appeler tous ceux qui ont des témoignages. Quoi Dieu Timothée. Quoi si Germain, c'est toi? Eni Thérèse. Quoi Mérite. Voilà, tous ceux qui ont les témoignages, venez maintenant. For your testimonies. Et vous allez rendre témoignage à la gloire de Dieu. To the glory of God. Êtes-vous là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le micro, il ne donne pas. Ton témoignage, tu faisais quoi? Tu avais quoi? J'étais sorcier. J'ai attaché mon papa. J'ai pris le bon de ma maman. Et puis attaché mes dentiers. J'ai pris le corps de ma grand-mère. Maintenant après, and after, j'ai gâté le corps de ma tante. Destroyed the skull of my aunt. Et puis j'ai gâté l'école de mon tonton. The one of my uncle. Maintenant j'ai tué mon grand-père. He's my grandfather. Et après, on a prié pour toi. Oui. Maintenant qu'on a prié, c'est fini. Je suis guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je t'aime une sorcière. I was a witch. J'ai même tué le mari de ma maman. J'ai rendu malade les enfants de ma tutrice. Et j'ai même envoûté son magasin. Mais depuis que je suis arrivé ici, le prophète m'a délivré. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, vous cherchez Bissab, non, elle a dit Bissab. Écoutez très bien le témoignage du frère. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Dimi Kwadio Timothée. Dimi Kwadio Timothée. J'avais mon portable et j'étais sur les réseaux sociaux en train de chercher professeur. Au moment où j'ai tapé sur les prophètes, en même temps j'ai vu prophète Joël Casso. C'est-à-dire que c'est tellement étonnant. Et puis du coup j'ai cliqué. Quand j'ai cliqué, je vois des images, brigade, là tu es anti-sorcier. Et puis ça a attiré mon attention. Je dis, ben tiens, j'ai commencé à regarder. Je dis bon d'accord, je vais chercher le truc de mon enfant, professeur d'abord, après je vais revenir. Et après je suis arrivé à la maison, ma femme et moi, on a commencé à regarder. Donc, à chaque fois, on suivait maintenant ces pratiques qu'il disait sur le YouTube. Et j'ai fait venir des jeunes, 7 jeunes du village à Abidjan. Pour mes activités, pour suivre mes activités. Et j'ai pris à côté de moi, ma maison, une autre maison pour les loger. Et quand j'ai vu ça, eux-mêmes, ils avaient fréquenté ici à Divo. Et puis, ils étaient déscolarisés, ils ne faisaient plus rien au village. Et c'est comme ça que je suis allé les chercher. Et arrivé, quand j'ai vu ça, je suis allé les voir, j'ai dit, mais tiens, est-ce que le monsieur se réclame de Divo. Vous avez fait Divo? Est-ce que vous avez connaissance? Il dit oui. On a entendu parler de lui. Il dit mais vous avez entendu parler de lui? Et non comme ça. Pourquoi vous ne le recommandez pas aux autres pour que ça soit, on soit sauvé? Ah, il n'y avait pas longtemps un éminent docteur. Peut-être que je vais faire son nom, mais de la région de Divo. Ok, c'est rien. Qui est mort, mon ami. Un ami
Je ne dis qu'Anthony, docteur Anthony, de la région Awanu, international, dans le président, le monsieur, tous ses biens partout dans cette plantation, vous savez comment il partait. Mais quand il est mort, je ne pouvais pas m'en revenir. Comment se fait-il que il meurt une semaine et puis c'est maintenant que je découvre ce monsieur, Seigneur. Voilà comment je suis allé accuser mes frères. Comment est-ce que vous connaissez un monsieur pareil? Vous m'aurez dit pour que moi j'aille. Du coup, j'allais lui recommander parce que c'est tout pour lui, il était tout pour moi. J'ai perdu mon emploi. Le monsieur vient, il amène l'argent, il me donne. Même ses parents même ne vont même pas chez lui. C'est à moi qu'il appelle pour aller faire la fête. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai commencé à prier. Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce que, en suivant, toujours sur le YouTube, avec ma femme, dans le même mois, les enfants, ils ont eu des démêlés avec moi. Ces enfants que j'ai logés, ils s'en vont prendre dans le quartier où nous sommes à côté, une fille qui a été chassée d'une sorcière et ils l'ont logée dans la maison. Donc je suis venu, il y a un qui est venu, dit tonton, en tout cas parmi nous les sept là, il y a une fille qui dort dedans. Elle est au sein de 12 ans. J'ai dit, mais comment? Et je vais, j'arrache l'enfant. Les enfants se battent avec moi, j'arrache l'enfant. Je fais renvoyer l'enfant. Et on s'en va voir le président, le doyen de notre mutuelle. Aux deux plateaux. Et les enfants, le doyen a dit que ce que vous avez fait, c'est pas bon. Un monsieur comme ça, vous rend service. La première fois, elle a pris un groupe. Nous-mêmes, on lui dit, franchement, il est courageux. Il vous trouve du travail et vous allez lui créer des problèmes. Mais ça, mon frère, tu peux pas, parce que c'est trop. C'est-à-dire, la partie essentielle même est derrière. C'est ce qu'on vient entendre. Donc, j'arrive. Et effectivement, l'enfant, les enfants, j'arrive à, je le doyen. Une semaine après, et celui-même qui allait chercher la fille, il tombe malade. Il ne me dit pas, il vient au village. Du village, on m'appelle, on dit l'enfant est malade. Je dis, mais il a quoi? J'appelle son papa. Je dis, qu'est-ce? Il dit, non, l'enfant ne va pas. Je dis, bon, je te recommande là, sur place, va à Divo. Derrière la scène pièce, moi-même je ne l'ai jamais vu, mais c'est sur le YouTube. Va maintenant à Divo derrière, amène l'enfant. Son père me dit, non, toi-même ta maman est malade, tu ne peux pas venir chercher ta maman, mais c'est mon fils. Ah, l'enfant est chez moi. Je te dis, prends l'enfant, amène la scène pièce. Il dit, non, non, non. Je dis, moi j'ai déjà envoyé mon petit frère pour ma maman, mais prends celui-là, va là-bas. Il dit, d'accord, c'est compris. Le lendemain, on m'appelle, on dit l'enfant est décédé. Je demande rapidement une permission au service et j'arrive au village. Mais avant d'arriver, tout un monde d'un village s'est entouré. Et je viens, je m'en vais le père. Je le rencontre, je dis, où est l'enfant? On ouvre le cercueil, je vois l'enfant, je pleure, je viens, je m'assois au milieu. On me demande, je dis, en tout cas, je ne sais pas, mais voilà ce qui s'est passé. On dit Yako, Yako. D'accord, donc tu es venu, on va aller l'enterrer. On s'en va enterrer. Je profite en même temps, le monsieur que je voyais sur le YouTube, comme je suis maintenant venu ici, dans la région, je vais profiter pour venir. Je prends, je viens ici. Il faut le dire, pour le rencontrer, ce n'est pas facile. Parce que ça va coïncider avec le mariage du pasteur principal. Donc avec tout cet, avec le monde qui était ici, j'ai passé 4 jours ici. Jusqu'à ce que je fasse mes bains. Au moment où j'ai fini mes bains net, on m'appelle du village. On dit, viens, mais on va faire les funérailles de l'enfant. Tu es où? Il dit, non, non, non. Écoute, mes amis m'appellent, ils disent, viens, mais nous on n'est pas d'accord. On dit, c'est toi qui as tué l'enfant. Ah! Comment encore? Donc j'ai dit, bon, je ne suis pas à Abidjan, mais je suis à Divo, j'arrive de suite. Je prends ma voiture et j'arrive. Tout le village est réuni. Je sors. Oh, 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 il est venu. Mais et j'avais dans mon sac mon nul. On dit, oh, le sac qu'il a là, il doit avoir quelque chose. Ah, moi-même, je suis étonné. Et j'arrive, je m'assois. Mon oncle même, qui m'a appelé pour les funérailles, on dit, demain, il faut parler maintenant. Il dit, non, mais on dit, mais
tu n'as pas dit que c'est lui, il est là, il tergiverse, il fait ceci, jusqu'à ce qu'il se trouve entre eux des histoires. Il prend le courage. On dit, ouais, on t'avait dit que s'il vient, tu ne peux pas parler. Et il se lève et il dit, c'est toi qui as tué mon enfant. J'ai dit, quoi? Ton enfant est mort de quoi? Il dit, non, partait le laver, on avait eu des traces derrière lui et que tu as eu des histoires avec lui. J'ai dit, mais dis donc, moi, tout ce que j'ai été depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, c'est ton enfant que moi j'ai tué. Je comprends. Je comprends. Pour tout le service que je rends, ce village-là, je pense que, en regardant sur le YouTube, je sais à peu près les petits signes que révèle que le professeur. Certainement, mon oncle veut me vendre. Comme parmi les gens qui vendent. Ça, je ne vais pas rentrer dedans. Et par-dessus ça, je quitte là et je fais d'abord Abidjan. Je prends ma famille, ma femme, mes enfants et je les amène tous ici. Donc je les amène ici et on fait tout ça. Et puis je repars avec eux. En partant, je m'arrête au village. Ma vieille qui était malade, j'impose ma main avec l'huile. Je prie, 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 prie. Je m'en vais. Une semaine, on m'appelle. On dit la vieille est décédée. Donc j'étais avec mon patron, donc je n'ai rien dit. À 10h, un mardi à 10h, je vais au bureau et mon patron me dit, va voir le directeur. J'arrive là-bas, on dit, bon, tiens ton contrat, tu vas signer, tu embauches. Le jour, le même jour, elle est morte à 10h. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je vais au bureau. Et mon directeur me dit, va là-bas, on va t'embaucher. Oh, il y avait longtemps que je travaillais, on ne m'avait pas dit ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voici où je me suis dit que prophète sentir mon pied. Plus jamais. Et j'ai décidé que j'ai 3 hectares à l'entrée du village. On va consacrer là une église. Amen. J'ai décidé de venir ici pour que lui, je puisse l'amener dans mon village pour délivrer mes parents. C'est pour cela que je suis là. Voilà ce témoignage que je voulais rendre. Yeah, 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 yeah. Libérer le décret d'embauche. Amen. La personne qui avait les fixes sur le décret, on l'a prié en même temps. Dégage. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ouais. Très bientôt, la brigade sera chez vous. Merci. Amen. J'ai rien changé avec lui. On a déjà arrêté un programme. On sera très bientôt chez vous. Le monsieur qui a tué son fils verra avec le prophète. Il a le droit de prendre à rendre. Heureusement que c'est ici dans la région de Divo. Voilà. C'est quel est le village? Paya, on arrive très bientôt à Paya. Voilà, c'est bientôt. On a 2 jours. Amen. Que Dieu bénisse. C'était la semaine surpassé. Last week, mon père était venu à Divo et il avait dit qu'on l'avait fusillé en songe. Quand il m'a dit, il dit on n'a qu'à venir à l'église, il dit viens pas. Et il allait voir ma cousine. Ma cousine l'a envoyé chez le féticheur. Aller voir, c'est rentré, sorti ici. Quand il est venu, il m'a caché, il ne m'a rien dit. Et il s'envoie ma camarade, il dit à ma camarade. Ah, aujourd'hui, là, il s'est allé chez un marabout là. Il a dit, mais il sait qu'il a parlé l'André, il est au campement là-bas. Ma soeur aussi est venue me voir. Ton père là, on dit il est difficile. Hein. Voilà ce qu'il vient de me dire. Il dit ok. Dieu va toucher son cœur, il va venir me dire. On est assis. Il vient près de moi. D'un peu de temps, il est là. Il couille tout. Il me voit, il me dit ah, ta soeur m'a envoyé dans un coin là. Le monsieur, il allait parler, André, mais il est au campement là-bas. Je suis quitté près de lui. Il dit papa, quand on te parle de Jésus, il faut aller à l'église. Il dit, oh, il dit, vendredi, là, on a veillé à Zaroko. On va aller à Zaroko. Ça n'a pas été facile. Je l'ai convaincu, que ma camarade a babadé sur lui. Ah, le vieux, il faut écouter ta fille allant à Zaroko. Il dit, que lui seulement, son affaire de terrain, lui veut construire seulement. Lui seulement, il n'est pas dans l'affaire de Dieu. Il dit, papa, on va aller à Zaroko. C'est comme ça qu'on est venu s'inscrire. Et monsieur inscrit, en même temps, papa prenait.
les gens à la réception. Tout directement, il est parti à la réception. Papa l'a reçu. Et c'est comme ça qu'on est parti à Zaroko. Quand on est parti à Zaroko, il a fait la prière. En tout cas, tout s'est bien passé. C'est comme même mon papa même venait toujours à l'église, la danser. Tout ça là. On est venu. Samedi, il avait fait son bain. Dimanche, il va venir dire merci à Dieu pour danser là. Il n'est pas venu. Puis il est parti. Non, il est parti sur son terrain au Vatican. Je n'ai rien dit. Je suis là, le monde, je cherche, il ne voit pas mon papa. Il n'est pas venu. Comme il sait, s'il vient chez moi, je vais papader. Il est resté chez sa grande soeur à Konankoro. Il est reparti au campement. Il est parti au campement lundi. Lundi nuit, il m'appelle sur mon téléphone, me dit, ma fille, va chez ton papa, Krasso là. Envoie-moi une bouteille d'huile. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment de t'envoyer une bouteille d'huile? Tu es parti sans me dire au revoir. Il me dit, fais ce qu'il te demande seulement. Et prends Badian, trouve-moi là-bas. J'ai dit, j'ai compris. Et c'est comme ça, je suis venu, j'ai payé une bouteille d'huile. J'ai dit à mon papa, papa, c'est. Le vieux dit, de venir à une bouteille d'huile, mais il ne sait pas ce qui se passe. Franchement, soutenez-moi en prière. J'ai dit, non, il faut partir. Dieu est déjà en contrôle. Et je suis arrivé. Je suis arrivé, je vois le vieux, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, ma fille, Jésus a déjà tout fait. Je dis, alléluia. Il dit, dès que je suis arrivé, je suis allé voir mon piège là. Mon piège, j'ai attrapé un gros serpent noir à son cou. Il dit, hein? Il dit, oui. Qu'est-ce qu'il a attrapé son cou? Ça a serré du sang, il s'est débattu, il est tombé, il est mort. Il dit, alléluia. Et je suis arrivé, et puis lui, je lui ai donné. Il a versé un peu, prié, je l'ai soutenu en prière. Moi, je suis venu. Je vous assure que le Goliath est tombé. La vieille, c'est lui, lui, Satan. Moi, c'est ma grand-mère. Ils sont plus comme ça, ils sont plus de quatre. Eux tous là, ce sont des maplao. Mais ils ne vont jamais. J'ai dit, ça dit le serpent que tu es mort là. C'était une. J'ai dit, la semaine qui vient de finir là, il y a une qui est partie. Où je suis en train de vous dire là, il y a une qui est malade. Ça m'a dit que. Cette année, this year, la sorcellerie, witchcraft, prendra fin dans ta vie. Amen. Vous avez le témoignage, l'efficacité de l'huile. Ceux qui vont arracher vos maris, là, elles vont tomber dans la cuisine. C'est janvier, non? Il y a une onction spéciale sur lui. Il y a une onction spéciale sur lui. Cette année, c'est ce que je m'entends de faire. J'ai eu la formule. C'est ce qu'on va aller appliquer. À Boisflay, on va voir. On va tester partout. Sur tous les territoires. Voilà. Amen. Que Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis à Abidjan. Un jour, ma maman m'appelle. Elle me dit, Ruth, viens. Et Ruth, que ta grand-mère sorcière, c'est elle qui me fatigue. Bon, je ne croyais pas. J'aimais tellement ma grand-mère qu'elle dit, elle dit, c'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui est venu à Zaroko. Vraiment, Dieu l'utilise. Elle dit, maman, il y a beaucoup de hommes de Dieu à Abidjan ici. Elle dit, c'est vrai que je suis venu, ils ont dit beaucoup de choses que vraiment, sur ta grand-mère, tu me fais du mal. Elle dit, non, je ne croyais pas. Elle dit, je ne crois pas à ça. Et ma grand-mère, vraiment, elle-même, je l'aime trop. Donc, elle peut être sorcière. Parce que vraiment, elle nous a dit qu'elle peut être sorcière. Et c'est comme ça, il y avait mes funérailles à Gorobro en mars 2014. Et on est venu à Gorobro. Et à Gorobro, il y a les gens qui rendaient deux sortes de témoignages contre le prophète. Il y a d'autres qui disent que ce prophète là, il ne vient pas de Dieu. Que son huile là, c'est il travaille, ça c'est bizarre. Que vraiment il ne vient pas de Dieu. Si ça a dû sortir, c'est bon. Que ce prophète là, les paroles, il met ça dans la bouche des gens. C'est son truc qu'il fait, il fait de ce que les gens parlent. Que c'est lui-même qui met dans leur bouche. Que nous, il ne vient pas de Dieu.
Et pourtant, il y a d'autres groupes à côté. Il dit, c'est un homme de Dieu. Que c'est pour vous témoigner que quelqu'un a consacré lui là. Il est de Dieu. On n'est pas tout, on a vu. N'écoutez pas les gens. Donc, j'étais troublé. Il dit, il y avait de ces faux témoignages. De ces tout vraiment, il était vraiment troublé. Et je suis parti à Iré. Mais que se va-t-il? Maman dit, ce vendredi là, il y a la veille, on va partir. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, la nuit du mercredi, au jeudi, ce jour je n'ai pas dormi. Un que tu vas parler, tu ne vas pas partir. Il dit, j'étais troublé la nuit, je ne peux pas dormir. Vraiment, ça m'a fatigué l'esprit, je souffrais. Et puis, je me suis réveillé, je lui ai dit, maman, je disais, là, je ne vais pas partir. Elle dit, oh, ils ont gâté ta tête. Ou bien tu es dedans. Ah, si c'est toi, tu me fais ça. Il faut dire, tu me dis en même temps. Que ceux que tu ne veux pas partir, je crois, ils ne sont pas clairs. Donc, il faut dire en même temps. Donc, je me suis tue. Et puis, la nuit du jeudi au vendredi, j'étais là et j'ai dit ça à Dieu, je veux un signe. Parce que je ne veux pas partir dans un coin où ce n'est pas Dieu. J'ai peur de l'enfer. Quand j'entends parler de l'enfer, mon cœur bat, j'ai peur. Il dit, l'enfer, vraiment, il y avait peur. Dans la nuit du vendredi, je fais un songe. J'avais dit à Dieu de me donner, si je viens à la veille, il n'a pas me montré un signe vraiment, tu prouves que c'est son serviteur. Et la nuit du jeudi au vendredi, je fais un songe. Dans le songe, j'étais à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux. Et je vois un homme de Dieu qui vient vers moi. Notre curé, il s'appelle le père Pakula, il a des cheveux, c'est un blanc. Mais je vois un homme de Dieu qui vient vers moi, il n'a pas de cheveux. Et il a mis une chaîne sur son cou gauche, et puis la croix de Jésus. Il dit, mais cet homme-là, il n'est pas prêt, mais comment ça se fait qu'il a une croix sur son cou? Et ce temps de Dieu venait vers moi. Et quand il s'approchait de moi, c'est comme dans le songe, j'étais en genou. Et il me dit, c'est comme s'il m'imposait la main, et il me dit, dis merci Jésus. Dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Jésus. J'ai dit merci Jésus jusqu'à et puis je me suis endormie. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai pris en même temps un moment de jeûne là. Et j'ai dit à maman, le soir, on ira la veiller. Et j'ai expliqué le songe à ma cousine qui était là. Et on est parti à la veiller. Quand on est parti à la veiller, je n'ai jamais vu le prophète Grasso. Jamais. Et quand, après la louange, ils ont annoncé le prophète Grasso. Et je l'ai vu sortir. Quand je l'ai vu, mais ce homme-là, on dirait que je le connais quelque part. À même quand l'esprit de Dieu m'a vive le songe. Et j'ai dit à ma cousine, elle dit, voici l'homme de Dieu que j'ai vu. Voici l'homme de Dieu que j'ai vu dans le songe. Jamais vu, je ne connais pas. Mais là, dès qu'il a fait la croix, dès qu'il a porté la croix qu'il a mis son cou, c'est la même chose que j'ai vu en songe. Vraiment, j'étais étonné. J'ai plus de signes, je me suis dit que j'ai vu le signe que Jésus déposait. Vraiment, j'étais convaincu que ce homme-là, il était de Dieu. Et au cours de la veillée, c'est que j'entendais plus. Je voyais qu'il ne donnait pas la gloire, il ne donnait pas la gloire, mais il donnait plus de la gloire à Dieu. Donc j'ai vu que maintenant, pourquoi on dit qu'il n'est pas de Dieu? Et j'ai vu que pour moi, parce que l'enseignement, tout était Dieu. Et voici, ça c'était en 2014. Mais voici qu'en 2016, je fais un songe où on me dit, le prophète Grasso s'en va, il s'en va. Et dit non, tant qu'il ne me bénit pas, il ne peut pas partir. J'ai commencé à le poursuivre. Parce que c'était comme les gens étaient en rang et puis les gars partaient et il était parmi eux. On dit, l'homme de Dieu, à chaque fois que tu parles de lui, le prophète Grasso, il s'en va. Donc je l'ai poursuivi, il dit, papa, bénis-moi. Et puis il m'a béni. Et puis je me suis réveillée. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu pour cet homme de Dieu-là. Vraiment que Dieu lui donne une longue vie pour que vraiment l'humanité tout entière puisse connaître vraiment la vérité, puisse être délivrée. Et je dis à mes frères et sœurs d'arrêter de faire le faux témoignage. Parce que le faux témoignage empêche les autres de rentrer dans leur grâce. Parce qu'une fois, je parlais de Grasso à Abidjan. Parce qu'on m'appelait la fille de Grasso. C'est vrai que je n'ai jamais parlé à lui. Vraiment, on m'appelait la fille de Grasso. Et il y a une fille qui me disait qu'à Divo ici, elle était au supermarché et elle a vu le prophète. Tu étais dans le supermarché. Mais comme ils ont mal parlé de Dieu, on dit non, c'est un pétuché. Donc elle a fui. Oh, le prophète la suivait, mais pour lui dire quelque chose. Donc elle avait peur. Dans le supermarché, elle avait peur, s'est cachée. Puis elle a fui.
Et elle a dit ça pour tout le monde. Dans la vie, elle, elle avait des problèmes de corps. Vraiment, je lui ai dit, shit, il faut partir à Divo. Il faut continuer pour faire, il va t'aider. Donc vraiment, c'est ça. It's the testimony. À cause de nous aujourd'hui, le maire de Divo est devenu un ministre. Amen. Ça c'est un grand témoignage. Grâce à nos présences sur le sol de Divo, les choses ont commencé à aller à Divo. Divo a commencé à être bitumé. On reconnaît là par cette fruit. Jésus dit, même si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres. Croyez à cause des œuvres. Que la gloire vienne au Seigneur. Mon gérant, gloire à Dieu, parce qu'il m'a guéri. J'étais très malade. Tout le monde m'a vu ici. J'étais presque morte. Mais il a touché le cœur de son serviteur. Il a tout fait pour moi. Il m'a amené à l'hôpital, fait tout ce qui était à son pouvoir, il a fait pour que je sois en vie. Donc ce matin, je suis là pour bénir le nom de Dieu. Pour cela, mon oncle est venu pour lui dire merci. Il a amené quelques bagnes, plus un mouton. Ah, le mouton. Thank you. Merci beaucoup. J'aime bien les tissus comme ça, j'ai porté par les aux États-Unis. Alléluia! J'ai m'appuyé en Afrique. Moi, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sous mes yeux. Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sous mes yeux. C'est ma vie, c'est ma fille. She's my daughter. On dit on reconnaît là par ses fruits. Voilà, on reconnaît là par ses fruits. C'est un bouton. Allez, l'attacher. Vraiment que Dieu te bénisse. May God bless you. Oui, ça c'est un vrai mouton. J'ai dit beaucoup merci au groupe d'intercession parce qu'ils m'ont soutenu en prière. C'est thank you. Everybody for. On va écouter le président. Nous rendre un amen. Bien, de temps en temps, c'est normal que nous aussi nous rendions témoignage. C'est vrai, on est auprès du prophète, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et Dieu fait des grandes choses pour nous. À force de chaque fois voir les grandes choses de Dieu, souvent on se tait. Mais quand souvent c'est évident aussi, il faut le dire pour renforcer la foi des autres. Donc, prophète, avec votre permission, je prends même un témoin, mes jeunes frères. Comment s'appelle-t-il déjà, chef? Armel et le président, la semaine dernière, le dimanche, comme tous les dimanches, je ne suis pas là souvent. Quand j'arrive chez le prophète, c'est toujours avec la même joie, la gaieté de cœur qui me reçoit. Donc dimanche dernier, je suis allé chez lui, à la maison. Et quand je suis arrivé au salon, quand j'arrive, je commence à... Il était dans sa chambre, il s'apprêtait pour qu'on parte ensemble, pour qu'on vienne ensemble au culte. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à présenter à tout le monde en arrière. Et puis, on dirait le prophète a entendu ma voix, il est venu. Il m'a salué et puis il est retourné. Quelques instants après, il vient. Voici le t-shirt. Il a pris le t-shirt devant les Armel. Il est venu m'a jeté le t-shirt. Donc j'ai pris le t-shirt devant tout le monde.
J'ai regardé, mais c'était mouillé. C'était mouillé, ça sentait la sueur. J'ai pris, j'ai senti, ça sentait son parfum. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Dans mon cœur, quoi. Souvent, le prophète m'apporte des habits, des valises, des trucs. Bon, des habits nouveaux, mais aujourd'hui, un truc qu'il a pris pour s'habiller, me donne ça. Je vais prendre là. Je mets à la maison, là, je vais laver ça, voir pour porter ou bien. Ça, franchement, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis tué. Je dis, les hommes de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Et puis, j'ai pris mon tricot. De là-bas, j'ai mis dans la voiture. Et puis, on est venu. Au culte, j'avais le tricot ici. D'autres voyaient, ah, moi, tu me donnes ça, attends. Je n'ai rien dit, j'ai gardé ma chose. Et puis, je suis reparti à la maison. Donc, quand je suis allé à la maison, il y a des gens qui sont venus me voir. J'étais là, je leur ai montré le tricot. Je leur ai expliqué un peu l'histoire. Je leur ai dit, bon, moi, ce tricot-là, je ne vais jamais laver ça. Je vais garder ça. Donc, du coup, c'est comme si ça devenait du fétichisme. Mais je dis, moi, je vais garder ça. Parce que c'est qu'il y a quelque chose. Donc, quand je suis allé le soir, je dois me coucher. J'ai pris le tricot, je me suis habillé. Et puis, j'ai prié. Et puis, je me suis couché. J'ai prié. Mais en temps, chaque fois quand je dors dans ma maison, chaque matin, j'ai des éternuements bizarres. C'est comme si des choses se passaient. Et puis, c'était dans le même dimanche, on avait vu une dame ici, que, bon, une sorcière qui était venue faire des aveux par rapport à ce qu'elle faisait. Dans la cour. Donc j'ai pensé à tout, j'ai dit, mais peut-être que dans ma maison, il y a des trucs comme ça qui se passent. Tellement les sorciers, il se pourrait qu'ils mettent des gaz dans ma maison. Donc j'ai apporté le tricot, je me suis levé le matin, je n'ai rien eu. Et le matin, très tôt, je devais aller à Bidon. En temps, il y a des problèmes de famille que le prophète même connaît, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ceux-là même qui sont les auteurs connaissent bien le prophète, mais ils ne veulent pas venir. Et c'est aussi ce que je vis. C'est-à-dire, ça fait partie de mes secrets de vie. Donc ce matin-là, je me suis vite lavé. Et puis je me suis habillé le tricot, bon, comme je ne voulais pas aller avec des bagages, j'ai étendu ça sur mon lit. Et puis je suis sorti, je me suis mis dans des chaussures légères. À peine je sors net, je cogne, mon pied gauche la cogne, il dit, mais c'est quelle histoire ça? Mais néanmoins j'étais confiant. Mais je sais que vraiment la nuit que je venais de passer l'était particulière. Et je suis allé à la gare. J'arrive à la gare où je dois prendre mon car, parce que je ne suis pas parti à ma voiture. J'ai causé avec des gens, et puis tout d'un coup je vois mon neveu. Le fils de mon grand frère qui est docteur, qui enseigne à l'université, pour qui j'ai tout fait. En tout cas, je ne peux pas entrer dans les détails, mais le prophète connaît cette histoire. La preuve, quand il a fini sa soutenance en tant que docteur, la première semaine qui a suivi, en criminologie, la première semaine qui a suivi, c'est avec lui, c'est-à-dire que le prophète, c'est comme si on l'avait propulsé au devant de la scène internationale, sur la chaîne 2, avec Ben Zawi. Et quand on a fini cette émission avec lui, c'était un peu, ça le rehaussait. Les semaines, les jours qui ont suivi, on a vidé Ben Zawi. C'est comme si c'était la sorcellerie avait triomphé. C'est pas maintenant, je crois que c'était en 2009. En 2009, oui. Et puis, en 2009. En même temps, comme il a fini sa soutenance, il devait enseigner des problèmes qu'on ne peut pas expliquer entre lui et moi. Et on était chien et chat. Bon, moi, personnellement, je le salue, mais il ne me voit même pas. Quand il va parler de moi à ses petits frères, souvent, je suis à ses petits frères, c'est la famille. Mais il dit, mais Sekou, moi, il ne m'appelle jamais Sekou. Mais Sekou, là, tant. Et les enfants viennent me rapporter ça. Un jour, j'étais obligé de lui faire un SMS pour lui dire ce que j'entends de toi là. Si c'est réellement de toi, j'espère que c'est faux. Hein. Mais si c'est de toi là, Dieu prendra acte de ton ingratitude. Et puis je lui ai envoyé ce SMS parce qu'on ne se parle pas. Il est venu la montrer à son père et puis on gérait la situation. Donc ce matin là, j'arrive, il était là, je ne me suis pas occupé de lui parce qu'on se voit, on se dépasse. J'ai causé avec le responsable de. Il s'appelle Soumaoro, le responsable de S-Beta. Il m'a donné mon ticket parce qu'avant d'arriver, j'appelle. Quand il a donné mon ticket, je dois aller, je le vois, mon neveu, il fait un pas vers moi. Il me dit bonjour tonton. Bon, je t'ai dépassé. Parce que ça fait plus de 6 ans, c'est pas de l'amusement. Depuis 2009, il enseigne. On ne se parle même pas. Et il est venu, il me dit bonjour tonton. Oui. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Moi, je lui ai dit alors, ça va Raymond. Et puis on s'est donné les accolades. Je lui ai dit bonne heureuse année. Et puis c'est terminé. Nos problèmes. Parce que franchement, et on s'est donné rendez-vous. Il m'a donné son numéro, tout et tout. Je suis parti avant lui. Après, il est venu à Abidjan. On a fait tout le temps ensemble. Et puis après, il est candidat. Il était candidat à la députation. Donc, vraiment, le lendemain, j'ai rendu compte au prophète. Comme il connaissait l'histoire, franchement, c'est extraordinaire. Donc, il fallait que je rende ce petit témoignage. Et pour que vous sachiez que nous aussi, là, Dieu fait des grandes choses pour nous, même si je suis le général. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ?